بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذن دائما فيديوهات القناة تأتي في إطار تعليم عن بعد، حيث أقدم في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري أقدم دروس للمستويين الخامس والسادس ابتدائي في مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon qui concerne l'activité de l'orthographe pour le niveau 5e année de l'enseignement primaire. La leçon s'intitule sur les homonymes en, sans et sans. Pour présenter cette leçon, j'ai proposé 4 phrases. Donc, phrase A, phrase B, phrase C et phrase D. Je vais vous lire. Suivez avec moi. On admirait avec joie le paysage et les monuments de la ville ocre de Marrakech. Phrase B. Les touristes ont l'habitude de visiter Jemaa el Fna et les jardins de Majorelle. La phrase C. Son séjour dans un riad est une découverte inoubliable. Phrase D. Quel bonheur! Toutes les photos sont réussies et retracent notre parcours du Maroc. Donc, suivez avec moi. Regardez, s'il vous plaît, les mots qui s'écrivent en couleur. En, sans et sans. Et dis-moi, comment se prononcent les mots en couleur de la phrase A et la phrase B? Regardez, en et en. Et les mots en couleur de la phrase C et la phrase D. Sans et sans. Regarde, en et en. 100 et 100. D'accord? Regardez, je manipule et je réfléchis. Il y en a 4 questions ici. La première question, comment se prononcent les mots en couleur des phrases A et B? Et comment se prononcent les mots en couleur des phrases C et D? Donc, les mots en couleur des phrases A et C sont en et en. Et les mots en couleur des phrases C et D, 100 et 100. D'accord? Donc, les mots en couleur se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. D'accord? Ils se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment. Regardez comment ils s'écrivent. Hein? Ici, O-N et ici, O-N-T. D'accord? Ici, S-O-N. Ici, S-O-N-T. D'accord? Donc, ils se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. 3. Ils s'écrivent-ils de la même manière? Non. On a dit qu'ils s'écrivent différemment. Donc, non. La question 4. Essaye de préciser, ou bien de préciser la nature de chacun. C'est-à-dire la nature grammaticale. Ça veut dire la nature grammaticale. Par exemple, en... On joue le rôle d'un pronom personnel, d'accord? Mais ont, ça, c'est le verbe avoir, conjugué au présent de l'indicatif avec le pronom il du pluriel, d'accord? Donc ici, son, c'est un adjectif possessif, d'accord? Son, c'est un adjectif possessif. Mais ici, son avec t, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif, d'accord? Donc, on, c'est un pronom personnel. Ont, c'est le verbe avoir. Sans, c'est un déterminant possessif. Sans, c'est le verbe être. Donc, on et on, ce sont des homonymes qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. Aussi, sans et sans, ce sont des homonymes qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. Donc, c'est ça, les homonymes. On a étudié ça dans la leçon précédente de l'orthographe. Les homonymes, c'est et ce. Et on a dit que les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. D'accord? Donc, d'après tout cela, on peut déduire la règle suivante. Je retiens. On appelle les mots on, sans, des homonymes grammaticaux.
Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. D'accord? Donc, on a dit que c'est un pronom personnel. On peut le remplacer par il ou bien par elle. En est une forme conjuguée du verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. On peut le remplacer par avait. D'accord? Donc, c'est la conjugaison du verbe avoir à l'imparfait. Son est un déterminant possessif. Son avec T est une forme conjuguée du verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Ou si on peut le remplacer par IT. D'accord? Par IT. Donc, maintenant, on passe pour faire deux exercices d'entraînement. Je m'entraîne. C'est ça l'exercice. Relie chaque mot à sa nature. On va relier ces mots par ses natures. D'accord? Son, on a dit que son, c'est un déterminant possessif. D'accord? En, c'est un pronom personnel. Donc, c'est un pronom personnel. En, c'est une forme conjuguée du verbe avoir. D'accord? Et son, c'est une forme conjuguée du verbe être. D'accord? L'exercice 7, choisis le bon homonyme entre parenthèses. A, on va choisir 60 sans T, 60 avec T. Nos amis sont à Paris et vont résider à l'hôtel. Regarde ici, dans cette phrase, nos amis sont à Paris, on n'a pas du verbe. Donc, on va mettre ici sans avec T. D'accord? Phrase B. En ou bien en, sans ou bien sans. Pourquoi? Parce qu'on a deux vides ici. Ici, on met en, sans T. Pourquoi? Parce que il joue ici le rôle du pronom personnel. Qu'ils sont. Ici, on met sans avec T. Pourquoi? Parce que ici, le verbe. Ils sont heureux de leur visite de la tour Eiffel. Phrase C, sans ou bien sans, les photos prises avec son appareil professionnel sont magnifiques. D'accord? Ici, on met sans le déterminant possessif et ici, le verbe être au présent de l'indicatif sans avec T. Phrase D, en et en espère voyager seul à l'étranger. Donc, on va mettre ici en N, d'accord? Le début de la phrase. Donc, on met ON qui joue le rôle du pronom personnel. La phrase E, sans ou bien sans ami d'enfance a de la chance. On met ici sans, santé, le déterminant possessif. La dernière phrase, la phrase F, en ou bien en, lui offre pour son anniversaire, un voyage à Ouarzazate. Donc ici, on met ON santé en Luisa. En Luisa. D'accord? Donc ici, il joue le rôle du pronom personnel. Donc voici les réponses. Donc ici, sans B, la phrase B, en et sans en, on voit qu'ils sont heureux. Phrase C. Les photos prises avec son appareil professionnel sont magnifiques. À phrase D, on espère voyager seul à l'étranger. À phrase E, son ami d'enfance a de la chance. À phrase E, on lui offre pour son anniversaire un voyage à Ouarzazate. D'accord? Passons maintenant pour faire un exercice d'évaluation. Je m'évalue. L'exercice, c'est l'exercice 8. Complète avec l'homonyme correct. Donc ici, on va compléter les vides par des homonymes corrects. Soit en le pronom personnel, soit en la forme conjuguée du verbe avoir, soit sans le déterminant possessif, ou bien sans, qui est la forme conjuguée du verbe être au présent de l'indicatif. D'accord? Donc,
On ne pourra pas prendre l'avion aujourd'hui à cause du mauvais temps. Donc ici, on va mettre en N. On ne pourra pas prendre. Donc ici, la phrase nécessite un pronom personnel. La phrase B. Les voyageurs ont envie d'arriver à leur destination, mais ils sont compréhensifs. D'accord? Donc ici, en et ici, sans. La phrase C. On passera la nuit à l'hôtel comme tous les passagers du vol annulé. Donc ici, on met en. La phrase D. Le pilote est sympathique. Son discours de bienvenue réjouit les passagers. Donc ici, on met son. La dernière phrase, la phrase E. Le voyage pour l'Espagne est prévu en été. Donc, ils ont le temps de demander le visa. Donc, c'est ça l'exercice de l'évaluation. Et merci pour votre attention. J'espère que vous avez très bien compris la leçon d'aujourd'hui, les homonymes en, sans et sans. Fil ما تنساوش تشتركوا في القناة التربويات مع الأستاذ محمد البخاري، تفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناة، كذلك الإعجاب بالفيديو، وما تنساوش قناة التربويات مع الأستاذ محمد البخاري دائما معكم، أي استفسار وأي سؤال حطوه لي في التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.